Salut à tous, c'est Saran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 2 de mon let's play sur RIB. Très content de vous retrouver aujourd'hui parce que, très content tout simplement de retrouver ce jeu qui, ma foi, est toujours aussi agréable à regarder quand j'y retourne maintenant. Bon, moi j'enregistre l'épisode une semaine après, j'ai eu vos retours, c'est cool. En plus, de très bons retours, je suis content, ça vous a plu apparemment. Et donc, on avait réussi cette énigme, hein, plutôt simple pour ouvrir la porte au fond. Et oui, j'avais gardé le suspense d'ouvrir la porte. De passer la porte avec vous. Alors, faut savoir que du coup, le jeu m'a ramené ici. Mais je suppose que c'est un point de sauvegarde parce qu'on avait... On avait chopé l'amulette ou le morceau de... Oui, le morceau d'amulette ici. Ouais, c'est ça. Et donc, ça a bien enregistré. C'est ça, je crois. Là, il est pris le truc. Ah, c'est toujours aussi beau. Hein. Ouais, c'est bon. Donc, on se rapproche du pont, du dessin. Et ça, ça va être cool. Par contre, j'aimerais bien savoir où est le petit renard, parce que je ne l'ai pas revu. S'il te plaît, renard. Bon, je crois qu'il n'y avait plus rien à faire dans le coin, je crois que j'avais à peu près tout fait. Et on a une nouvelle fresque et le personnage rouge qui s'en va. Et je suppose que... Il n'est plus là, voilà. Alors, on a une jolie fresque. Ok, on a le roi comme ça qui est en train de... Pourquoi ça change de couleur quand je bouge? C'est un bug ou... Ah, quand je reste en mouvement... Ça s'éclaire. Ah, c'est étonnant. Waouh, c'est beau. Donc on a le roi qui salue la tour, c'est super beau. Bon, je sais pas s'il y a un truc à faire avec ça, mais bon, pour l'instant... De toute façon, on va avancer. Là, il n'y a rien. Suivons, de toute façon, le personnage à la cape rouge, finalement. Ok, j'ai envie de monter, mais j'ai envie de voir avant ce qu'il y a en bas. Mais apparemment, il n'y a rien. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une clé du coup. Parce que je viens de voir qu'il y avait un emplacement ici. C'est tout simplement une clé. Ok. Donc une nouvelle mécanique, on peut trouver des clés. Waouh, c'est beau. Ok. Ah ouais. D'accord, et on atterrit... Là où je voyais les statues, super! C'est un espèce de théâtre! C'est vraiment magnifique! Waouh! Oh, puis la musique quoi! Ok, on a carrément des. C'est les dessins là? Une espèce de petit dessin qui nous indique. Qui nous indique quelque chose que je comprends pas, que en haut il y aurait une clé sûrement. Je vois ça comme ça là, en haut de la petite tour là où je suis, il y a une clé, il faut que je traverse le pont pour ouvrir. La grosse clé rouge. Là, il y a la grosse clé, voilà. Et là-haut, il y a une petite clé. D'accord. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on avait... Ah oui, d'accord. Donc là, c'est là d'où on vient. Très bien. Donc vous remarquez que moi, je vais jamais au milieu du truc. Hein. Je fais toujours le tour. Je sais pas pourquoi. C'est une habitude que j'ai. Ok. Puis j'allais par là. Oui. Ah, trop beau les statues. Donc là, on a une espèce de sphinx dans lequel on va devoir mettre deux clés. Très bien. Bon, il va y avoir vraiment de la... Je pense, deux énigmes pour choper la clé qui est au centre là et la clé qui est dans la petite tour au bout du pont. Ici, c'est là d'où je viens, je suppose. Non, je viens d'en face, mais bon, c'est à peu près pareil. Et là... Ok, ça nous indique quelque chose aussi, qu'il y a des petits personnages à allumer. Ah, ça va être compliqué, les gars. Ça va être très très compliqué. Et moi, je dis, on va commencer par ça. Pourquoi pas?
Ok. Sauf qu'il faut que je monte et je ne peux pas. Parce que là, moi, pour moi, je peux pas sauter. Non. Et bah, allons sur le pont. Ah, c'est une mouette, c'est trop mignon. Ah, la mer, vraiment magnifique d'ici. Oh putain, c'est beau! Ok. Et ben là, faut que j'aille ici. Yes. Oh oh, j'entends le bruit du renard. Ah, ça c'est cool. Yes. Bien joué. Oh le renard. Reviens. Mais il arrête pas de se barrer, ce chien. Oh, je veux mon renard. Ok, on allait faire le petit personnage. Essayons. Voir. C'est quoi déjà? Faut faire quoi? Faut crier. Comment on crie? Je sais plus. Mais faut se dépêcher de crier. Mais c'est infaisable. Et je suis censé faire comment? Non, mais sérieusement. Ok, ça déjà. Ok, très bien. Mais me dites pas que je vais devoir aller vite, là c'est infaisable. Je suis vénère. J'étais vraiment pas loin, à mon avis. Bon, je n'ai pas réussi. Mais comment je suis censé faire ça? Ah là, il y a un truc qui doit m'échapper, hein, parce que je ne vois pas comment faire. Qu'est-ce qu'il y a, renard? T'es où? Ah, attendez. Oui, bonne idée. Il me dit d'aller là d'abord. Bah, je suppose qu'il me dit ça. Ok. Ah oui, mais oui, ça se trouve, il y a un truc à... Oui, il faut pas être bête non plus. Ça se trouve, il y a un truc ici d'abord. Alors, oula. Ok. Et il va falloir ouvrir la porte et le passer. Ok, j'ai compris. Est-ce que je peux passer par là? Ah non, mais comme il fait une onde de choc, si je le mets ici... On devrait le faire. Yes! Ok... Je me disais bien que c'était infaisable, j'essaie d'aller vite, mais non. Et bah voilà. Yes. Oh, sympa.
Ah, une tour remontée comme ça me fait penser à quelque chose, mais alors je sais plus du tout à quel jeu. Est-ce qu'il y a un truc caché en dessous là? Non, je crois pas. Ok, alors, hop! Sympa! Ah, je peux carrément. My God. Ok. Alors, qu'est-ce que... Ok, il nous en manque un. Ok, là-bas. Là-bas, il y en a aussi, mais il y en a partout des trucs. Alors, si je l'amène un peu plus par là, il chope aussi ça. Ouais, c'est vraiment entre les deux. Mais là, c'est quoi le délire là? Mais non, mais non, mais non! Je viens de comprendre. Il faut que je retourne ça. Mais non! C'est pas assez proche là? Voilà, ça retourne ça, on est d'accord. Voilà, et là j'en ai trois. On est d'accord. Donc là... Ah non, c'est court. Ah, même je savais pas. I don't know, I don't know. Voilà. Wow. Magnifique. Ah ouais, ça a grave de la gueule. Et est-ce que je peux me servir de ça pour activer les trucs là-bas? C'est la petite question que je me suis posée vite fait, parce que je comprends bien qu'il faut que je monte là-haut. Ça y a pas de souci, je l'ai bien enregistré, mais... Est-ce que je pourrais pas activer ces deux petites... Je suis trop loin. Très bien. Soit. Oh, j'ai pété un œuf. Oh, je suis désolé. Allez, monte. C'était juste, hein. Ok. Waouh, trop beau. Le changement de caméra est très très bien fait. C'est vraiment cool ça. On se sent pas du tout... Là la caméra je peux à peine la bouger, vous voyez, je peux faire des petits sursauts. Et pourtant c'est... C'est pas du tout dérangeant. On se sent pas... Ah, là-haut, 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 je peux monter. Ok. Ok. Putain, il est agile hein, ce petit quand même. Donc oui, j'ai eu un commentaire de mon ami Saba qui m'a dit que peut-être que la tenue bleue permettait de respirer sous l'eau. J'y repense là. J'ai pas du tout essayé. C'est vrai que c'est pas bête. C'est vrai que c'est un mécanisme de jeu vidéo que bah qui existe, hein, de tenues qui font changer les capacités. J'ai pas du tout essayé, mais il faudrait que je me renseigne ou que j'essaye. Donc si quelqu'un connaît la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être intéressant. Allez, monte, monte, monte. J'ai très très peur de me spoiler de toute façon si je vais sur internet et que je commence à regarder des trucs. Donc... Si... Waouh. Waouh. Ah ouais. Waouh.
Et bah de l'eau justement. Ah c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. On a redonné la vie. Un bel arbre. Et d'accord, ça active ce que je voulais activer depuis tout à l'heure. Qui va nous permettre de rentrer. Oui renard, où es-tu? Est-ce que je peux sauter d'ici comme ça? Oui. Je peux. Wow. Je prends un peu des risques là. Hein. Je suis un peu un fou. Donc on se rappelle qu'on n'avait pas de jauge de respiration aquatique. Mais au bout d'un certain temps, le personnage commençait à émettre des petits sons. Donc vas-y, va dans l'eau. Voilà. On teste, hein. Bon, il a l'air d'avoir quand même une respiration qui se crée. Je vais quand même aller plus proche de la surface au cas où. Non. Bon, bah, clairement, non. Clairement, ça nous permet pas de respirer sous l'eau. Mais l'idée était bonne. Non, bah, apparemment, ce n'est qu'esthétique, pardon. Ce qui est pas plus mal non plus, hein. Mais j'aime beaucoup cette tenue bleue. Alors, est-ce que je peux déjà mettre une des clés? Normalement, oui. Voilà qui est bien. Ok. Passons à la deuxième. Donc, deuxième côté. Donc, on a cette fameuse énorme clé dorée. Parce que maintenant, on sait que ce sont des espèces de clés. Il y a une histoire, du coup. Parce que l'autre pictogramme était bien clair, il y avait trois boules bleues allumées, c'était ça qui s'est passé. Là on a la grosse clé à travers ce pont, et là-haut on a la petite clé. Bien, allons-y, sauf que je suppose que lui va nous gêner. Ah non. Ah non, au contraire, il nous a pété les ronces. Très bien. Ah ouais, c'est cool. Il nous pète les ronces. Ah, donc faut l'emmener partout pour qu'il nous pète toutes les ronces, quoi. Essayons. Viens, cochon! Quoi? Pourquoi? Ah, on peut la jeter. D'accord, je comprenais pas pourquoi il y avait une jauge en bas. C'était trop bizarre. Ok, alors, viens, cochon, viens. 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 Ah, il a... Putain, je lui ai donné à manger, du coup, il a tout mangé. Viens. Viens. Voilà, merci cochon. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un joli temple. Ok. On peut rien faire avec ça. Attendez, je prends la boule. Oh, elle est magnifique cette petite boule aussi. Et je vais la mettre là-dessus. Waouh! Ah ouais! C'est pas ça qu'il fallait faire. Si, c'est ça qu'il fallait faire, il fallait l'acheter. À mon avis, il faut l'acheter. De la merde, j'avoue. Vous me connaissez, je suis pas très doué. Non! Non, là c'est abusé, hein. J'étais pas loin, vas-y. Bon, je pense que le principe est là, hein. Clairement. «
Ouais, mais non, mais attendez, attendez. Oh, c'est rebondi la cocotte aussi. Ah, moi je peux y arriver. Je suis le seul mec qui se bloque sur une énigme hyper simple, quoi. Juste un jeté de boule, quoi. Reste là-haut, voilà. Elle est vraiment très belle, cette boule. En mode boule d'énergie, un peu, vraiment de la gueule. Alors. Ok, ok, très beau. Bon, je vais pas m'amuser à descendre. On a une vue en fait magnifique à chaque fois qu'on va. Peu importe où on va, voilà, on a une vue magnifique. Quoi, quoi? T'es où? T'es où? Ah, t'es là-haut. J'arrive, j'arrive. Et n'empêche que le renard nous aide pas mal, hein, parce que tout à l'heure quand j'étais bloqué, et ben, il s'est mis à gueuler au-dessus, quoi. Pour me dire va là-haut, quoi. Donc c'est pas mal foutu, ça. Est-ce que je peux aller là? Non, y'a rien. J'ai absolument envie d'aller dans tous les endroits où. Faut pas aller. Ok, on a une boule d'énergie. On a une deuxième boule d'énergie ici. On peut peut-être mettre en face. Ou en bas, je sais pas. Laisse le mettre en face d'abord. Oh non! On peut monter avec une boule. Allez, en plus, non. Bon bah écoutez, en bas du coup hein. Ah. Ah du coup non. Ah non ça. Ah c'est une énigme à la con, je le sens. Je sens que ça va être chiant. Ou pas. Non mais B, B. Mais quoi, tu peux pas la poser là? Ouais d'accord, tu peux. Allez. Hé hé. Bien joué. Bien joué. Ok. Très bien. Et là, faut rouvrir la porte. Bah, c'est assez simple. Pour ça, on prend celle-là. Et on la met là. Oh, bah non, easy. Franchement, pas très compliqué. Ah, et on a un machin. Ah, yes, on va recréer la clé autour de ça. Ah, pas mal. La grande porte va nous créer une petite clé en perspective. Ah, sympa. Et du coup, la grande porte est disparue. Ah ouais. Ah, j'adore. Pourquoi ça s'est blessé sur les côtés, là? Pour que je puisse passer quelque part? Oui, ici. Exact, c'est ça. Et qu'ensuite, je saute, là? Je peux descendre, là? Ah oui, ok. Cochon. Cochon. Super chouette. Donc là, c'est le côté où on était, et là, c'est le côté d'où je viens, d'accord. Parce que j'essaie de trouver aussi où est-ce qu'il peut y avoir des amulettes ou des trucs. Et on a le personnage là-bas. Avec le renard. Ah, avec le renard. D'accord, donc le renard et son pote aussi. Juste voir un truc, c'est est-ce que ici ça s'ouvre? Non. Apparemment non. J'arrive, j'arrive, renard. Faut pas faire ça? Mais je suis con quoi. Je me trompe de côté.
Ah ouais, classe. Oh, avec les peintures. Donc on a le petit personnage, seul, sur la plage, qui a l'air attristé, et le roi, triste dans la nuit. Et ben moi je sens, vous allez me dire si je me trompe, mais je sens que nous sommes le fils de, ou en tout cas la réincarnation du fils du roi, qui, parce qu'il nous avait perdus. Il nous avait perdu, il avait perdu son fils, donc il était triste, donc il a laissé le royaume à l'abandon. Et j'invente toute une histoire, si c'est ça ou pas. Il a laissé tout le royaume à l'abandon, et du coup il m'a jamais retrouvé, et en fait je suis sûrement sa réincarnation, sinon je serais mort. Mais, ah ouais, c'est sûr, c'est ça. Et on va voir la traversée, ah ouais. Et je contrôle toujours, d'accord. Oh, c'est beau. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ça expliquerait pourquoi on a le pouvoir, pourquoi on arrive à contrôler ce royaume. C'est parce qu'il ne nous est pas étranger. Oh, plus de musique, ça fait bizarre d'un coup. Oui. Oh, une nouvelle mécanique. Ah, sympa. T'as les reflets dans l'or ou dans l'argent, là, c'est magnifique. Donc là, on a une boule qui fait le tour de... Ok, d'accord, d'un balancier. Oui, bah, je veux prendre la boule. Et on fait passer... Non. What? Ah, c'est génial. Et attendez, on fait quelque chose avec les ombres? Oui, là, là. La petite ombre, ça va être moi. Non? Je suis sûr que c'est ça. Comment j'ai deviné de ouf? Oh putain, c'est beau. C'est un phare. Oh yes. Wow. Et ben vous savez quoi, il nous reste presque une minute de let's play, et ben j'arrête là parce que je trouve que et ben c'est vachement cool de se demander ce qu'il va y avoir derrière ce pont. Parce que là on a une nouvelle mécanique avec les ombres, c'est super chouette. Bah ouais, je préfère vous laisser là, on se retrouve dans le prochain épisode. On verra ce qu'il en est, mais ça risque d'être vraiment cool parce que... Ah, ok, je viens de tomber, c'est génial. Ça risque d'être vraiment cool et émouvant parce que là ça l'est déjà un peu. Et donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu hein, si c'est pas encore fait, parce que ça me soutient, c'est cool, et j'adore vos commentaires, toujours, et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, parce qu'on est de plus en plus nombreux, et que j'adore vous proposer ces let's play. Voilà, et bien à la prochaine, à mardi prochain pour la suite du let's play.